sur la convention d'objectifs pluriannuels qui va encadrer notre travail. Voilà. Donc, c'est-à-dire quelles sont les relations que nous avons, que l'Office de tourisme entretient avec la communauté de communes, et inversement, quelles sont les relations que la communauté de communes souhaite entretenir avec son office de tourisme concernant les 3 prochaines années sur le coût d'euro. Voilà. Donc, dans ces relations, bien évidemment, vous avez la taxe de séjour, qui est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, qui doit être promue, en tout cas avec qui on doit, que nous devons développer sur le territoire. On va vous expliquer pourquoi, voilà. Et puis, lors de cette réunion sur la convention d'objectifs, nous avons souhaité venir sur les territoires, venir sur l'ensemble du Couserans, partout dans le Couserans, sur les 6 anciens territoires historiques, pour venir expliquer déjà ce qu'on fait au quotidien, venir expliquer également ce que c'est que la taxe de séjour, pourquoi elle est prélevée, collectée en tout cas par la communauté de communes, et à quoi elle va servir in fine. Voilà. Donc on est là pour répondre à toutes vos questions. On a souhaité commencer par le Volvestre, parce que c'était un territoire qui n'avait pas mis en place la taxe de séjour jusqu'à présent, jusqu'à cette année. C'est la première année 2017 où la taxe de séjour est mise en place. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Voilà. Pour toutes les autres raisons, la présentation qui va être faite par Charles et par moi-même, hein, je vais essayer de réinventer un petit peu le discours, on espère répondra à toutes vos questions sur notre action et sur comment nous voyons les choses pour les prochaines années, en tout cas dans le cadre de la taxe de séjour et de tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est un moment de dialogue, c'est un moment où on va répondre à vos questions, toutes les questions que vous avez sur la communauté de communes, en tout cas la partie tourisme de la communauté de communes, sur l'action de l'office de tourisme et comment optimiser avec pertinence, on va dire, les relations que nous avons entre nous au profit de tout le Couserans dont le Volvestre fait partie, bien évidemment. Voilà. Merci Yannick. Est-ce que messieurs les élus qui représentent à la fois la communauté de communes et l'office de tourisme veulent ajouter un mot à cette présentation avant que je... Non, je pense que c'était une présentation qui était peut-être attendue également par le territoire. Il y a quelques questions qui ont été posées, qui ont été soulevées. Et donc, pour moi, c'est effectivement l'occasion de répondre éventuellement à ces questions-là et peut-être lever certaines incertitudes, certaines informations qui seraient passées du mauvais côté. Merci. Est-ce que d'ailleurs, vous connaissez Sandrine Yannick, André sur cette pointe de Saint-Croix, mais est-ce que vous connaissez tous? Yannick est directeur de l'Office du tourisme. Charles Dapparel, qui est chargé de tourisme à la communauté de communes. Charles Lafitte, je suis maire de Gérène, et bon, gestionnaire des campings à Gérène, voilà. Donc, je fais partie de la conseil d'initiation de l'Office du tourisme. Et sur le Castillonnet, nous avons dû installer il y a déjà 4 ans la taxe de séjour, quoi. Donc, c'est aussi pour faire cette part de l'expérience que l'on a eue avec la mise en place de la taxe de séjour. Et André Escalier, vice-président de l'Office du tourisme. Et la communauté. Et la communauté. Très bien. Bonjour, Gélé. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous faire une petite présentation qui va servir de trame à notre information de ce jour et aux échanges qu'on va suivre ensuite. Comme l'ont dit déjà mes prédécesseurs, il s'agit de venir présenter auprès des hébergeurs principalement, mais finalement du public plus largement, en binôme communauté de communes et office de tourisme, un petit peu les nouveautés de cette année, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de choses sont nouvelles pour nous tous, élus et techniciens compris. Notamment avec comme focal un petit peu la taxe de séjour, qui est une nouveauté pour le Volvestre, certes, mais qui est une nouveauté dans son sens élargi, étendu et harmonisé pour tout le Couserans. Donc autour de cette question-là, et au final de toutes les nouveautés de cette année, voilà, on vous propose
travaillé avant pour le Pays de Coudran, et comme vous le savez, la communauté de communes est le fruit d'une addition des anciennes communautés de communes, qui étaient 8, plus le CIVOM de Saint-Didier, le CICTOM qui collecte les ordures ménagères, et le PETR qui était le Pays de Coudran, ceux qui connaissaient avant. Cette addition-là donne une communauté de communes. Je vous propose de rentrer tout de suite dans les détails. Alors, on va faire synthétique, hein, parce que là, l'essentiel est de pouvoir échanger ensemble et informer, notamment sur la taxe de séjour, mais on va vous présenter un petit peu ce que sont ces nouveaux contours en 2017. Donc on va parler rapidement de l'organisation du territoire qui a changé, de la taxe de séjour dans un second temps sur ce dont on a aujourd'hui l'usage en Coudran, et plus globalement de la mission de l'Office de tourisme, et la question de la promotion du tourisme, et donc de vos activités, puisque il me semble que vous êtes essentiellement des hébergeurs assemblés ici. Alors, comme vous le savez sans doute, depuis le 1er janvier, ce que je vous disais, les anciennes collectivités, les anciens périmètres intercommunaux et les syndicats ont fusionné pour redonner naissance à la communauté de communes Coudran-Pyrénées. Elle compte 94 communes et ça rassemble quasiment 300 agents, on va dire plutôt 260 à l'année et plus des saisonniers. C'est un nouveau périmètre intercommunal pour l'exercice des compétences de l'intercommunalité, mais aussi c'est un nouveau périmètre dès cette année pour l'Office de tourisme, puisque les 6 offices précédemment du Volbestre, du Haut-Couzeran, du Séronais, du Massafois, du Castillonnais, de Saint-Girons et Saint-Didier, constituent un seul et même office de tourisme adossé à la communauté de communes, qui porte le même nom. La seule différence, c'est que la communauté de communes, il y a Couzeran-Pyrénées, et l'office de tourisme, il n'y a pas de Pyrénées. Sinon, on parle bien du même territoire, de la même destination. Donc, tout le monde a fusionné au cours de la même année. Il a fallu attendre mars pour l'office de tourisme, mais ça s'est passé quand même très rapidement, compte tenu de l'histoire de ce qui était des offices de tourisme avant. Cette année, tout le monde y allait au pas de charge. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveautés d'un coup, beaucoup de choses qui se mettent en place, qui vont prendre un peu de temps à se mettre en place. Pour le coup, ce qui change du point de vue des intercommunalités, notamment dans le tourisme, c'est qu'il, si vous voyez bien, c'est qu'il y a des compétences précisées, élargies, étendues dans, en matière de tourisme. Puisque ce qui avant était souvent une délégation par les communes membres à la communauté commune est une compétence pleine entière de fait en matière de tourisme. Elle s'articule sur deux aspects principaux que sont un, la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique. Ça, adossé à la question du développement économique, on va dire la communauté de communes est pleinement compétente en matière d'économie et donc de tourisme. Et à côté de ça, plus précisément, et en ce qui nous concerne particulièrement, la communauté de communes est pleinement compétente en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. C'est comme ça que le prévoit la loi et l'intitule de la loi, ce qui veut dire que la promotion du tourisme est une affaire intercommunale et l'office de tourisme est une affaire intercommunale aussi. Ces choses-là sont étroitement liées, on va le voir. À cela s'ajoutent des compétences optionnelles et ou supplémentaires, on va dire au choix des comités de communes, en l'occurrence, qui vont étendre encore plus les domaines de compétences, d'activité de la communauté de communes. En matière toujours de tourisme, je le préciserai pas à chaque fois, mais la communauté de communes Coudran-Pyrénées s'est dotée de perspectives, d'axes de développement en matière de tourisme qui doivent influer sur le programme de ces actions, sur le développement de ces projets, mais aussi sur, à terme, ça touchera la fiscalité, etc., mais aussi, bien sûr, les aides, et notamment les aides données à l'office de tourisme. La communauté de communes, elle s'appuie donc sur un projet, une perspective qui entend, et je l'ai vraiment raccourci sur les grands points principaux, améliorer un, le cadre de séjour et renforcer les synergies entre les filières économiques dans le champ touristique. Ça, c'est un axe stratégique majeur qui a été déterminé en visant le territoire et la vocation d'intercommunalité, c'est de valoriser, de magnifier, de pérenniser, de garantir un peu l'authenticité de ce qu'est notre territoire en tant que destination. Améliorer le cadre de séjour, c'est à la fois s'occuper, c'est des exemples qui ne sont pas forcément précis en ce que fait là aujourd'hui la communauté de communes, mais améliorer le cadre de séjour, c'est autant en rénover des façades que faire des opérations d'embellissement de sites
intercommunaux, type prendre des exemples concrets, par exemple, la communauté de communes compétente en matière de cadre de séjour sur le site du Mont-Bagné, elle a une compétence sur l'aire du Plat de la Lao, la maison du Valier jusqu'aux Estanous, ce qui fait qu'elle aura vraiment son rôle en matière de cadre d'activité de séjour même. Elle pourra ensuite donner des aides aux entreprises ou aux particuliers selon les priorités en matière d'embellissement, d'aspect d'espace public par exemple, mais aussi, on le disait rapidement, en matière d'aide aux entreprises, la communauté de communes est compétente en matière d'aide notamment à l'hébergement touristique. Aujourd'hui, le contour est encore imprécis, mais à terme, c'est bien de ça dont la communauté de communes sera amenée à s'occuper, c'est-à-dire des aides qui avant étaient plutôt réalisées par le département, par exemple. Alors, maintenant, la communauté de communes revient un peu au centre des partenaires du développement, notamment de l'activité économique et des hébergements. Pour faire un exemple, ça aussi. Oui. Une petite question, bon, tu vois ce chart que vous avez derrière vous. Il y a deux axes marqués en rouge, un entre Saint-Dizier et le Cosmo de l'autre Garonne, et l'autre porte de la basilique de Sérou, vous trouvez froid et autre Garonne aussi. Oui, oui, oui. Par contre, il n'y a rien sur Saint-Dizier-Reste qui va également, et aussi, et le route le plus, les portes le plus rapide vers Toulouse. Tout à fait. Alors, mais à coup de pas, j'ai réalisé cette carte en essayant, c'était notamment pour le projet territoire, cette carte a pour objet de figurer les principales polarités et équipements touristiques du territoire. Elle n'est pas du tout exhaustive et elle n'est pas complète dans le sens où effectivement l'accès notamment par Cazet, hein, c'est ça notamment, n'est pas figuré là, alors que on va dire les principales voies d'échange y sont figurées. J'entends, elle a pas de valeur au-delà de l'illustration. C'est très symptomatique. Et c'est pour ça que j'ai rajouté. Je vais ajouter, je vais te conforter en ce sens-là, parce que si tu regardes bien, la sortie vers la départementale 618, la fameuse route des Pyrénées, n'est pas non plus signalée dans cet axe-là. D'accord, oui. Parce que bon, il y a le col de Portée qui arrive, donc on ne voit pas non plus un axe de sortie vers l'État de l'Est qui est la fameuse route des cols. Non, mais c'est pas ça. Non, mais on ne parle pas de la même chose. Parce que là, je parle d'accès vers l'extérieur. Donc, mais la plus grande source de population dans la région est Toulouse. Oui, tout à fait. Et Toulouse, le plus rapide voie vers le secteur. Et Ferrarier, je me suis dit, à part que j'ai pas mis. J'assume complètement l'imprécision de cette carte. Hein. Elle avait plutôt pour valeur l'illustration. Et c'est vrai que les flux par caserne, je les ai omis vraiment par insouciance sur le moment. Mes parents qui viennent dans le secteur passent toujours par caserne. J'y pense même pas quand j'ai allumé une carte. Je sais bien que ça fait partie des entrées importantes et que c'est aussi déterminant pour la question du maillage économique et touristique depuis le Volmestre. J'en suis conscient. Effectivement, j'assume l'imprécision de cette carte, pas de problème. Bon, l'idée, c'était d'illustrer. Elle a plutôt, au-delà des échanges vers l'extérieur, pour vocation de montrer où se concentrent les principaux pôles d'attraction touristique. Hein, là, les centres d'activité touristique chez nous, et là encore, elle doit être incomplète. Et j'ajouterai juste sur cette question, puisqu'on l'a déjà évoqué en conseil d'administration, ce sera de nouveau fait, alors pas demain, on va juste l'évoquer, mais plus tard, on est rentré dans la création, ou en tout cas dans la mise en place du schéma d'information, schéma d'accueil et diffusion d'information. C'est-à-dire, lorsque les gens rentrent sur le territoire, par où ils rentrent, où ils séjournent, quels sont les volumes réels aussi empruntés, évidemment. L'axe principal pour venir de tel endroit sera équipé d'une manière particulière pour justement pouvoir capter les flux, etc. Donc ça, on aura vraiment une étude exhaustive sur ces flux entrants dans le territoire, et c'est en cours. Là, ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus. Alors par ailleurs, le second axe stratégique en matière de développement touristique consiste pour le territoire à renforcer et investir les locomotives touristiques du coup de rang. Là encore, il s'agit de bien avoir pour le territoire et le programme de la communauté de communes dans les années qui viennent en tête que nous avons, au-delà d'un maillage très diffus, très hétérogène et riche dans sa diversité d'activités et de propositions touristiques, on a des locomotives pour citer quelles et ne citer
aussi toujours sur la zone montagne, mais Aulus, qui est un pôle en tant que tel, et d'autres hein, qui sont figurés là, le Bavier rassemblant, on va dire, en termes d'infrastructure et de notoriété, notre vocation à être une destination de randonnée notamment et d'activité montagne. Bon, j'en passe, mais voilà un petit peu, il y a un certain nombre de locomotives touristiques, de pôles d'attraction et d'activités particulièrement génératrices d'économie chez nous qui ont été identifiées et qui nécessitent, dans le projet de la communauté de communes, d'être renforcées et des investissements particuliers, notamment intercommunaux. C'est-à-dire ne pas oublier que notre activité touristique repose aussi sur des pôles et sur des sites à forte valeur ajoutée. Et enfin, l'organisation de la destination, c'est-à-dire le projet de promotion et de structuration touristique du territoire à travers notamment son office de tourisme, fait partie des axes de développement stratégique de la communauté de communes. Voilà un petit peu sur ce qui est le projet, la philosophie qui est censée être à l'œuvre et présentée à nos missions, à tous, que ce soit à la communauté de communes comme pour l'office de tourisme. Ça, on va dire, ça tombe un petit peu sous le sens, même si c'est déjà très large et qu'on va rentrer plus précisément dans le détail ensuite. J'ajouterais quand même que, alors désolé, je vais un peu couper, mais pas tant que ça, la communauté de communes est elle-même propriétaire d'équipements support ou d'équipements touristiques en tant que tel, ou support d'activités touristiques. Elle s'occupe déjà d'un réseau d'itinéraires et de sentiers de randonnée, dont un réseau de cabanes touristiques aménagées, des anciennes cabanes pastorales sur le camping 12, hein, précisément à l'époque, qui a été aménagé et valorisé vraiment dans le but de servir les activités de randonnée. Un ensemble de circuits VTT et de supports d'activités VTT notamment sur le Bas-Cousan et le Volvestre, dont l'aire de la chaînée de Béchat qui est intercommunale également. Il y a aussi des hébergements. La communauté de communes est elle-même propriétaire du camping d'Audinac, sur la commune de Montjoie. Ce camping-là est en gestion bien sûr par des privés, tout comme la maison du Valier ou le refuge des Estanous, mais on parle bien là d'hébergement, propriété de la communauté de communes, donc elle a un intérêt direct à favoriser hein, ce type d'activité. Ça ne veut pas dire qu'elle a un intérêt direct à ne favoriser qu'elle et que ces sites-là, mais disons que ça fait partie de l'héritage du patrimoine intercommunal dont on hérite après la fusion de 2017. La Comcom est aussi propriétaire d'équipements, support ou d'activités elle-même. Les termes de Luce sont une régie intercommunale. La station de Guzé est directement impliquée puisque la communauté de communes participe à hauteur de 25% au syndicat mixte de Guzé qui est propriétaire du domaine et qui gère l'activité. Par ailleurs, la communauté de communes, vous en avez sans doute entendu parler, est maître d'ouvrage de la suite d'équipements de diversification des activités sur la station, composé par la luge monorail, le site de VTT de descente et d'initiation et les espaces d'activité loisirs développés autour de la station. Ça, la communauté de communes est pleinement dedans. On veut dire la communauté de communes est directement impliquée dans l'activité estivale de la station de Guzé. Le stade de neige de la Tour Lafonde, un peu plus anecdotique, était un ancien stade de fond et lui aussi le patrimoine de l'intercommunal. Le centre aquatique du Coudran, pas négligé dans cette palette-là, c'est aussi une structure intercommunale. Et bien sûr, toute la palette d'activités culture et patrimoine, dont les centres d'interprétation, je pense au Château de Teix, tout ce réseau-là dans le Haut-Cousan, est intercommunal aussi. La maison d'école Porter à Souex et toutes les expositions dans ce giron-là sont une compétence et déclinées de la compétence culture de la communauté de communes. Donc là, il y a aussi un ensemble de supports publics et en gestion par le privé qui intéressent notre offre touristique. J'en viens à la taxe de séjour, puisque la taxe de séjour fait partie, dans ce contexte de réorganisation, des outils, des leviers que la communauté de communes a pour préciser, asseoir, consolider son fonctionnement, son développement dans le registre du tourisme. La taxe de séjour était, jusqu'à présent, inégalement perçue par les anciennes communautés de communes. Au 1er janvier 2017, la communauté de communes héritant de tous ces anciens usages, notamment de taxes qui étaient appliquées de manière différente sur les anciens territoires, a choisi de délibérer avant le 1er février pour appliquer une taxe et une unique taxe sur tout le Coudran harmonisé dès l'année 2017, qui lui permettait d'emblée de rentrer dans le sens de l'homogénéisation, de l'harmonisation des outils, et on va dire ces outils fiscaux, hein, tout simplement, puisque la taxe de séjour fait partie des plus anciennes taxes à ma connaissance, puisqu'elle a été instaurée en 1910, au départ essentiellement pour les stations balnéaires et thermales, etc.
on y reviendra. Au-delà de l'harmonisation qui a été engagée cette année, qui se poursuit bien sûr, parce qu'on va rester sur les mêmes principes, au moins pour l'année prochaine, mais sans doute pour les années qui viennent. Le budget de la collecte de la taxe de séjour a pour vocation d'être intégralement affecté à la compétence promotion touristique. Aussi, vu qu'on va le voir ensuite, l'office de tourisme est surtout l'essentiel délégataire de cette compétence de promotion touristique, le budget de la collecte de la taxe de séjour est reversé intégralement, à une infime portion près, on y reviendra là aussi, à l'office de tourisme pour alimenter ses actions de promotion. Rapidement, là encore, c'est l'illustration dans les grandes masses, en plus les chiffres sont vieux. L'illustration représente un petit peu les disparités de lits marchands sur le courant. Où là, bon, encore c'est des chiffres de 2012, hein, mais ça mériterait de préciser. Là, on voit aussi l'équilibre, le difficile équilibre montagne-piémont sur les lits touristiques. Voilà, rapidement pour les grandes présentations. Là encore, je vais brosser, on va dire, l'essentiel de la présentation. On reviendra aux détails selon vos questions ensuite. Là, c'est un tableau, alors aussi digeste qu'il puisse être, qui représente l'état la perception de la taxe de séjour avant et après la fusion, rapidement. Pour ne pas rentrer dans les détails de tous les chiffres, on a les 7 communautés de communes qui prélevaient la taxe de séjour, enfin, qui la faisaient appliquer, donc il n'y a pas le vol de statut puisqu'ils ne l'appliquaient pas jusqu'à présent. On voit ici dans cette colonne les tarifs qui ont été appliqués pour tout le courant cette année. J'ai juste fait figurer de manière en couleur les différences. C'est-à-dire que là où c'est bleu, il n'y a pas de changement. On voit qu'en gros, l'essentiel de l'harmonisation a reposé sur l'outil qui était qui tournait depuis longtemps et qui avait le moins bougé, qui était sur le canton de une taxe de séjour, on est sur les mêmes bases à peu près. Et là aussi, il y a plus de lits touristiques, donc on va dire là où il y avait plus d'habitude à utiliser cette taxe. Et en rouge, on est sur des tarifs qui étaient inférieurs à ce qui est pratiqué aujourd'hui, et en vert, il y a des tarifs qui étaient supérieurs. Donc en gros, on a harmonisé vers ce cadre-là. Mais pour aussi avoir des éléments de comparaison, vous avez tout à la fin dans les colonnes orange les tarifs qui sont appliqués chez nos plus proches voisins comparables. La première colonne, c'est Luchon, et la seconde, c'est les Vallées d'Axe. Donc là aussi, on voit qu'on est un petit peu, enfin, on est même souvent en dessous de nos principaux concurrents, mais déjà réussir à faire vivre, à animer une taxe dans ce registre-là qui correspond à ce qui se faisait sur le territoire qui l'a collecté le plus, c'est déjà pas mal et c'est sur ces principes-là qu'on est parti. Voilà. Et alors là, de manière plus claire, le reste, c'est le tableau des tarifs de cette année. On y reviendra là encore selon vos questions. Voilà en gros sur quoi nous sommes partis cette année et avec quoi nous allons travailler pour la suite. Alors pour rapidement rebrousser le fonctionnement de la taxe de séjour, et pour faire très court, hein, on pourra revenir encore une fois dans le détail ensuite, la taxe de séjour est perçue par la communauté de communes, c'est le territoire qui l'applique, qui l'a fait appliquer, elle est collectée par les hébergeurs, mais elle est payée par les touristes. C'est ce principe-là qui prévaut depuis le début, enfin, même si avant c'était seulement les communes et pas les communautés de communes. On ne va pas refaire toute l'histoire. C'est une application qui a été délibérément choisie au réel. Vous savez, il y a parfois un usage, et parfois qui se loue, d'application au réel et ou au forfait. Sur certains cantons, dont le canton d'Oust, il y avait du forfait pour certaines catégories d'hébergement. Là, désormais, tout est au réel, c'est-à-dire une nuitée acquittée par un touriste donne lieu à un tarif de la taxe appliquée pour une nuitée pour un investissement, et c'est ça que l'hébergeur collecte, et c'est ça qu'il reverse ensuite. Pas de forfait, pas de calibrage, on va dire, moyen. La déclaration et le paiement ont été choisis trimestriels, on reviendra encore sur les petits détails si besoin de précision, et le règlement se fait jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire hein, dans les mois qui viennent, auprès du trésor public directement, c'est-à-dire que les bordereaux de déclaration et les chèques pour la déclaration de paiement de la taxe sont remis au trésor public directement. Là encore, ça change de certains usages d'avant où parfois c'était les communautés de communes qui percevaient directement. Dans le canton d'Oust, notamment, il y avait une régie propre qui recevait les paiements de la taxe de séjour. Et ça, ce qui a changé cette année, c'est que tout se concentre sur le centre des finances de Saint-Girons.
les perspectives maintenant. Donc on l'a engagé de manière assez nouvelle et harmonisée pour une première fois en 2017, mais elle se poursuit bien sûr sur les mêmes bases en 2018. On maintient le barème présenté là, on ne va pas changer tous les ans de tarif, et cela nous prévient déjà, il faut encore une fois la faire vivre telle qu'elle. Ce qui risque de changer, enfin ce qui va changer, c'est que maintenant qu'on a une année de travail et qu'on a des perspectives, notamment techniques, qui viennent, la communauté de communes souhaite pouvoir faire appliquer la taxation d'office. C'est-à-dire que c'est un outil qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales qui consiste à dire en gros, quand la collectivité perçoit qu'un hébergeur n'a pas déclaré, il lui signifie qu'il n'a pas déclaré, qu'il a du temps pour le faire s'il l'a oublié ou s'il a un problème, et s'il y a, on va dire, clairement un défaut de paiement, donc l'hébergeur étant défaut de paiement, la collectivité est en droit d'appliquer une taxation d'office, moyennant bien sûr le calcul de manque à gagner constaté par la collectivité, et là donc ça donne lieu à une taxation d'office qui est, on va dire, un outil de dissuasion, on va dire, du piratage de la taxe de séjour pour faire très court. Oui. Je me pose la question sur les légalités de une taxation d'office, parce que pour faire une taxation, il faut avoir une base sur laquelle on peut appliquer cette taxe. Si vous faites d'office, il faut que vous ayez des preuves que les gens ont effectivement séjourné. Alors la loi encadre parfaitement cet outil-là, et effectivement la collectivité doit faire valoir son calcul. Et... Oui, nous l'avions appliqué dans le Castille. Ça a passé le contrôle de l'égalité. Et nous avions, comme vous l'avez précisé, nous avions axé sur la partie haute, de façon à ce que ça soit dissuasif. Oui, mais voilà. Je comprends ce que vous dites, mais par contre, c'est légal si, effectivement, vous pouvez démontrer que, effectivement, il y a des outils qui étaient. Qui sont passés. Si vous n'avez pas la preuve, à mon avis, c'est un tableau de justice. Je le disais, c'est encadré par la loi, bien sûr. Charge à la collectivité de faire valoir la procédure qui l'amène à dire nous constatons qu'il y a tellement de calculs gagnés et sur telle base de calcul, etc. À partir de là, il y a eu une information, un renvoi, etc. Il y a quand même toute une procédure à respecter. Et une fois qu'on y est, qu'on arrive là, effectivement, tant que la. Cette procédure-là est respectée, c'est bien encadré, il n'y a pas de souci à prendre. Encore une fois, le fait de souhaiter l'appliquer démontre surtout la volonté de la communauté de communes. C'est bien d'avoir, on va dire, un outil dissuasif, c'est encore mieux quand on se donne les moyens d'informer, de faire en sorte de la collecter avant, d'accompagner les hébergeurs au-delà de la seule taxe de séjour. Ils ne servent pas qu'à collecter une taxe pour la collectivité. Les hébergeurs, justement, ils sont bien les destinataires de ces expériences. Ces actions de développement et de promotion touristique, ils ne sont pas que des tiroirs-caisses pour le territoire, bien sûr, mais au-delà de ça, la collectivité a des moyens, on va dire, de sécuriser cette perception parce que il y a à la fois une inégalité et une injustice à ne la percevoir qu'inégalement selon la manière dont on est en mesure d'aller la chercher, et une inégalité et une injustice pour les hébergeurs, de certains dans le temps payer vraiment honnêtement et d'autres de ne pas la payer. Voilà. Donc c'est bien se doter, on va dire, du cadre, bien sûr légal, mais suffisamment outillé pour éviter les problèmes. De la collecter, non pas de la payer. On est bien d'accord. Il ne faut pas perdre de vue que c'est tout à le tout, c'est qui va collecter. Les hommes vont la collecter, d'autres pas. C'est là qu'il faut bien y aller tête pour ne pas laisser tirer chaque la manga. Oui, mais les bergers ne payent pas la taxe, ils la collectent. Oui. Quand vous dites que c'est le touriste qui paie, c'est l'établissement qui héberge. Qui assure le paiement. Oui, et qu'il est inclus dans son prix. Tout à fait. C'est bien ça, hein. Il ne l'inclut pas dans son prix. Il ne l'inclut pas. C'est ma chère. C'est un marque. Il ne facture pas, normalement. Moi, j'ai trouvé qu'il y a un problème. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Par exemple, pour 2007, nous, on avait des prix, on informait personne ne sait qui payait la taxe de séjour. Et d'un coup, ça nous retombe comme ça de payer cette taxe.
même on n'a pas un papier disant combien de nuitées ou est-ce que vous avez payé tout ça. C'est un peu fou. Moi, j'ai jamais payé cette taxe. Après, là, je me trouve, ok, je le repose en Gironde, j'ai déjà fait tant de nuitées. Après, j'ai un gîte, le gîte est loué. Je ne sais pas s'il y a 6 personnes, 8 personnes. On ne sait pas si les enfants payent, les enfants ne payent pas. Il y a plein de choses qui sont un peu floues. Moi, pour moi, cette année, c'est un peu bizarre parce que qu'est-ce que j'ai dit? Bon, j'ai été à l'unité, j'ai payé ça, mais en plus, il y avait qui était réservé de plus d'années avant. Moi, j'ai trouvé que cette année, ce n'est pas logique ce qui va se passer. Il faudrait aussi qu'on aille en papier vraiment beaucoup, beaucoup plus clair pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, je vais revenir précisément là-dedans. D'ailleurs, ça rejoint le dernier point, comme ça je retombe un petit peu sur mes pattes, mais je vais répondre à vos questions. C'est l'amélioration et la modernisation des moyens de collecte pour l'année prochaine. Ce qui est clair, c'est que cette année, la collectivité a délibéré pour le 1er février sans pouvoir informer concrètement le réseau des hébergeurs avant février. Ça, c'est quelque chose qui se fait en gestation, mais la vraie information officielle, où alors encore une fois, on a touché qui on a pu, on a envoyé des courriers et des mails à tout un ensemble de listings, mais qui n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de gens, d'hébergeurs, qui n'ont pas été destinataires, je me doute, de cette info, parce qu'on ne les avait pas dans nos registres, par exemple. Toujours est-il qu'il a fallu attendre juin 2017, cette année, pour qu'on ait une information officielle signée par notre président avec l'ensemble des documents d'outillage pour déclarer la taxe. Il a fallu attendre juin, alors que la taxe de séjour était applicable dès le 1er février. Donc, pour faire très court, on va dire résumé d'esprit pour 2017. C'est une année de transition qui est nouvelle pour tout le monde. Les choses s'établissent à partir de maintenant. L'idée est de ne pas, justement, quand je parle de taxation d'office, par exemple, l'idée est surtout de voir en quoi on peut améliorer la collecte, l'information, et non pas commencer à taper gratuitement parce que les uns les autres n'auraient pas été informés au bon moment. L'idée, c'est justement d'informer, de travailler ensemble pour être sûr qu'on puisse toucher le plus de monde possible, de voir comment les situations au cas par cas peuvent s'améliorer, et non pas là de dire, allez, ça y est, maintenant, on vous informe aujourd'hui, on est en décembre, et il va falloir revenir sur les usages et les coutumes de toute l'année. Encore une fois, c'est pas ce discours-là qu'on amène. Là, en gros, l'idée, c'est que cette année, il y avait quelque chose de tout nouveau, notamment sur le vol vest, qui n'était pas appliqué jusque-là. Donc, à moins de passer au courant février ou mars par l'Office du tourisme ou par le site internet de l'Office du tourisme de la communauté commune, il y avait peu de moyens pour les hébergeurs d'être au courant qu'il y avait une taxe de séjour appliquée, par exemple. Même si on était au courant, comment on fait ça, alors, par contre, les informations, là, elles existent, et les outils pour informer, pour aider à déclarer, à payer, existent, et ils faisaient partie des informations qui ont été transmises aux hébergeurs, et il y a la possibilité toujours de contacter soit l'office, soit la communauté commune pour venir pour aider les hébergeurs à mieux comprendre et à faire les choses dans les meilleures conditions. Donc voilà, encore une fois, il y a tout un tas de services et d'outils à disposition. On a sans doute beaucoup de choses à faire pour les rendre plus accessibles et plus compréhensibles pour tous. Mais ils existent déjà, donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à venir vers nous. Notamment, moi, je peux vous aider à comprendre un peu tout cet appareillage d'outils déclaratifs et de calcul. L'Office de tourisme est là aussi. Bon, voilà, c'est encore une fois, c'est une année de transition. Donc, de toute façon, on est tous en train de se mettre à niveau. Que ce soit les hébergeurs, mais comme un peu les techniciens, j'ai envie de dire même jusqu'aux élus, on est en train de tous prendre progressivement la mesure de ce nouveau périmètre, de ces nouvelles compétences et de ces nouveaux outils. Voilà un peu ça, c'est la philosophie que je pouvais résumer. Excusez-moi, comme c'est complexe pour moi, il faut pouvoir le répéter sciemment. Oui. Un exemple concret pour un établissement qui a de 5 à 10 lits, par exemple, qu'est-ce qu'il va avoir à donner? Oui, ben, par exemple, dans le cadre d'un groupe de 5-6 personnes qui viennent dans un gîte, comment l'hébergeur s'en charge? Oui. Bon, tu m'arrêteras si je me trompe, hein, Yannick, je peux continuer sur la lancée. En l'occurrence, on revient à la source, au tableau, voilà, exactement, le cadre, par exemple. On va regarder dans quelle catégorie se retrouve, en l'occurrence, il s'agirait d'un meublé. Dans un gîte, hein, par exemple, un meublé, tout dépend de son classement, c'est-à-dire du niveau
éclairer la préfecture pour la délivrer auprès des vacances ou Gîtes de France. Voilà, déclarer en mairie avec le. Ah oui, l'accueil paysan aussi, pardonnez-moi. Il y a un classement préfectoral, oui, tu as raison, et le, on va dire la labellisation, par exemple, là, on a étoile, clé, et puis, etc. Qui... Les labels n'ont pas d'incidence sur Non, le label en tant que tel, l'arrêté préfectoral. Oui, voilà. C'est défini le classement. C'est le classement, et donc, ce classement, donc, selon, vous allez arriver sur cette tarification-là, admettons, un 2 étoiles, ce sera 60 centimes la nuitée par personne. Par personne éligible, c'est-à-dire que, et là, dans la délibération de la communauté de communes qui est portée à connaissance du public, il est bien procédé que les personnes mineures sont exemptées de la taxe, les saisonniers sur la commune, bien sûr également, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent et qui ont un logement saisonnier sur la commune sont exemptées de la taxe aussi. Je prendrai la délibération et c'est la marge. Enfin, voilà. Donc ça vous permet de calculer selon les nuits, le nombre de nuitées, une location d'une semaine. Il y a 6 personnes, dont 4 adultes. Je prends un exemple vraiment sans y réfléchir. 4 personnes fois 60 centimes fois 6 nuits, 6 ou 7 nuitées, ça vous donne le montant de la taxe de séjour facturée à part de la facture du contrat de location par l'hébergeur au touriste. Enfin, il faudra faire l'objet de deux factures. Ça veut dire qu'ils ne vont pas te payer les deux mêmes chèques. Alors, si ou non. Alors, vous, c'est un peu comme la c'est un peu comme la TVA, si vous voulez. Non, mais c'est ça, je prends toujours cet exemple-là, parce que la TVA, vous collectez la TVA au nom de l'État et vous reversez cette TVA à l'État. Là, c'est un peu le principe. On collecte au nom de la communauté de communes et on reverse à la communauté de communes. Par contre, très souvent, jusqu'à présent, mais c'est le cas ici, mais dans plein d'endroits, la taxe de séjour était soi-disant incluse. Non, déjà, ça, c'est interdit. Voilà. On n'inclut pas un tarif de taxe de séjour dans un prix de location. Alors, vous pouvez toujours vous dire, ouais, mais enfin, pour une nuit à 60 euros dans une chambre d'hôte, c'est toujours embêtant de refacturer 1,20€ à côté. Oui, effectivement, c'est embêtant, mais ça, c'est votre décision tarifaire de dire, par exemple, de dire c'est 60 euros, c'est 58,60€ plus 1,40€ de taxes de séjour. Mais effectivement, sur votre facturation, ça doit apparaître sur deux lignes différentes. Voilà. Ah, deux lignes différentes. Après, vous, comme pour la TVA. Comme pour la TVA. Après, vous l'encaissez sur votre compte et vous le reversez. On est d'accord. Après. Est-ce que ça rend votre chiffre d'affaires? Non, parce que moi je paye les charges sociales et tout ce que j'ai fait. Non, ça ne rentre pas parce que c'est bien collecté et reversé. Mais c'est pour ça que des fois, quand on voyage et que certains endroits, il y a une autre facture qui, comme ça, t'a permis de solder le chiffre d'affaires et ce qui est pris pour la table de séjour, qui a été collecté pour la table de séjour. C'est là la simplification pour les hébergeurs où ils ont beaucoup de monde et que donc ils ne savent pas de moyens. Une autre question, vu qu'effectivement c'est en retard qu'on paie cette taxe, comment on fait, forcément c'est sur deux lignes différentes, pour cette année où les gens sont déjà partis. Donc moi, j'ai on ne peut pas faire des factures sur deux lignes différentes quand les factures sont déjà parties depuis 8 années. En règle générale, je dis nul n'est censé ignorer la loi, hein, et y compris lorsque les informations ont certes mis du temps à arriver et à vous être communiquées, mais c'est aussi pour ça que dans cette année de transition, la communauté de communes n'a pas voulu avoir d'arsenal dit coercitif. Voilà. Et donc c'est bien pour ça que cette année, et c'est aussi la raison pour laquelle on est ici, le projet communauté de communes comme le projet office de tourisme donnera pleinement sa puissance d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans. Enfin voilà, on part d'une situation qui était celle qu'on connaissait jusqu'à présent. L'office de tourisme est né officiellement par exemple, le 1er avril, la communauté de communes au 1er février. Maintenant, on va déployer tout pour effectivement se dire en 2018 on sera mieux, puis 2019 on sera vraiment, vraiment mieux. Ce que Charles, vous, alors
il y a un schéma qui est très simple, hein. C'est-à-dire que normalement, dans un monde idéal, mais moi j'ai pu le voir dans d'autres territoires, dans un monde idéal, plus on a de gens qui viennent sur le territoire, plus on paye de taxes de séjour, plus la taxe de séjour est collectée, plus la taxe de séjour est collectée, plus on fait promotion touristique pour le territoire, plus on fait promotion touristique pour le territoire, plus vous avez du monde dans les hébergements. Donc théoriquement, la taxe de séjour est justement là pour mettre en route ce cercle qui doit être vertueux et pour l'hébergeur et pour la collectivité. Voilà. Alors moi je vous dis ça parce que je l'ai vécu dans un territoire où quand je suis arrivé, il y avait 200 000 euros de taxe de séjour qui étaient collectés par an. Et là, l'année dernière, je ne suis plus depuis de nombreuses années, hein, donc je ne m'accapare aucune gloriole de rien du tout. Maintenant, ils sont à 650 000 euros. Alors l'assiette a été élargie puisque la collectivité ici n'a pas souhaité, par exemple, taxer les mineurs. Là-bas, l'assiette a été élargie aux 13 ans, mais ce n'est pas les 13-18 ans qui ont triplé la collecte de la taxe de séjour. C'est bien parce qu'on était dans un investissement sans aucun centime de fonctionnement dans cette taxe de séjour qui devait aller purement à la promotion touristique. Et ça, c'est nous et la collectivité, surtout la collectivité, qui sera très regardant sur l'utilisation de cette taxe de séjour faite au sein de l'office du tourisme, au sein du service de l'office du tourisme. Voilà. Le but du jeu, c'est pas de partir en séminaire à l'île Maurice, hein, pour mieux travailler l'aide de territoire, et encore moins pour l'enrichissement personnel de qui que ce soit qui travaille dans l'équipe. Donc, clairement, on est là, théoriquement, pour vous permettre d'avoir plus de clients. Et si, on reviendra après sur le rôle de l'office de tourisme, mais voilà, plus de promotion, plus de fréquentation, plus de taxes de séjour. Et c'est bien l'hébergeur qui sera gagnant dans cette histoire, bien évidemment. Au niveau des taxes de séjour, là, est-ce que, par exemple, ce qui va être taxé aux personnes hébergeurs du vol maître, est-ce que cet argent collecté va revenir au vol maître, ou est-ce que, comment c'est dispatché ça? Est-ce que ça va être la taxe de séjour qui va être, par exemple, récolté dans le vol maître, ça va s'inclure dans une grosse masse, et après comment c'est redistribué tout ça? Alors on va y venir, parce que justement c'est là que ça se poursuit. Comme je le disais un peu plus tôt, l'office de tourisme est l'opérateur de la promotion touristique dans le sens notamment de la compétence régie par la loi de la communauté de communes pour promouvoir le tourisme, notamment en créant un office de tourisme. On a déterminé que l'office de tourisme Cousins-Pyrénées est l'opérateur de la promotion touristique du territoire. À partir de là, la communauté de communes a choisi de reverser intégralement la recette de la taxe de séjour collectée sur tout le Cousins à l'office de tourisme Cousins-Pyrénées qui lui aussi s'étend et est en solution sur tout le Cousins. Donc c'est une taxe prélevée à l'échelle intercommunale et reversée à l'échelle intercommunale. C'est-à-dire que ce qui viendra indépendamment du canton du Volvest, etc., nourrira une seule caisse qui, elle, sera reversée, et est déjà reversée, à l'office de tourisme, qui est lui-même une seule organisation pour promouvoir le tourisme sur tout le territoire. Donc, et de manière, là encore, il n'y a pas de strates intermédiaires par vallée ou par canton, etc. C'est une politique de promotion globale et des outils techniques, médias, etc., généraux pour l'ensemble du territoire. Excusez-moi d'être un peu douteuse par rapport à ça, parce qu'il y aura effectivement, je pense, des secteurs qui vont demander plus de développement, etc., etc. Bien sûr. Et à mon avis, par exemple, le Volvest, il va passer certainement, comme beaucoup d'autres blocs ont été faits, etc., jusqu'à maintenant, ça va passer il y a d'autres secteurs plus touristiques. Alors, où on va financer davantage que ces petites communes qui, en fait, Il ne faut pas le voir comme ça. On rappelle, on a vu le site de Buzet, c'est 3500 lits. Donc, factuellement, ça représente pratiquement 50% de la taxe qui est collectée. Et comme tout ça revient dans une masse, il y aura plus. C'est plus ces territoires-là qui vont renvoyer de la promotion pour nos territoires, parce que c'est global la promotion. Donc, il va plus y avoir individuellement, chaque canton ne fait plus son dépliant, il va y avoir un seul dépliant pour l'ensemble. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut plus le voir chacun dans son petit territoire, il faut le voir dans la globalité.
Oui, le problème, c'est que moi, j'ai trouvé que dans Kula, on se met sur payer la taxe de séjour et tout ça. Mais vraiment, ici, les gens viennent. Alors, quand on fait promotion à Liège, c'est montagne. On vient de dire, c'est les gens et tout ça. On se trouve vraiment ici, à Santa Croix, à tous ces cantons, comme si on est un peu lâché du tourisme de la Liège. Moi, c'est la sensation. Voilà, le premier autre manière. Oui, non, non. Je peux vous donner mes cartes, quel bien. 18 ans d'existence, depuis 3 ans, zéro appel, zéro contact, zéro client de tous les offices solidaires. Voilà. Donc merci les offices de tourisme. On met les panneaux pour nous les faire lever trop grandé parce qu'on risque d'avoir des amendes. Donc le seul moyen de communiquer une route nationale, on n'a pas le droit. Donc aujourd'hui, c'est simple, hein. Si on ne se démerde pas nous, on est mort depuis 18 ans. Merci les offices de tourisme, alors que ce soit la taxe ou pas la taxe. Aujourd'hui, il y a zéro, pour nous, zéro retour. Je peux vous le dire, parce qu'on connaît exactement tous les clients qui viennent, comment ils viennent, comment ils viennent. Mais aujourd'hui, on a des clients russes, on a des clients hollandais, on a des clients australiens, on a des clients dans le monde entier, on a 40 pays qui viennent chez nous. Mais nous, l'office de tourisme n'a pas vocation à se substituer à votre propre C'est qu'il y a trois ans avant, on avait du monde qui venait l'office de tourisme. Depuis 3 ans, zéro. Zéro appel. Et on est quand même là, le besoin, quand même là pour promouvoir, en dehors de promouvoir les grands sites touristiques, promouvoir les erreurs. Déjà, il y a 3 ans, on était dans un mode Volvestre. Non, mais Volvestre, je parle pas que du reste. Non, mais là, Saint-Didier, Saint-Jérôme, non, mais là je parle factuellement. Enfin, vous posez la question, il y a 3 ans, l'office communautaire n'existait pas. Donc, depuis 3 ans, il n'y a plus un seul appel. Ça change rien. Ça veut dire que l'organisation préalable n'est pas forcément pertinente, ou en tout cas pas forcément pas pour la partie promotion touristique. Bon, après, là, ça, c'est mon boulot, et c'est pour ça que je suis là que depuis 9 mois. Depuis 9 mois, on y passe nos journées et même des fois des nuits à essayer de construire des outils qui doivent bénéficier à l'ensemble du territoire. Voilà. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous dites oui, ça c'est du blabla. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret. À aujourd'hui, les offices de tourisme n'étaient pas suffisamment armés, notamment en moyens humains, si vous voulez, pour développer des services tels que la promotion et la commercialisation. Là, c'est vraiment notre travail. On est dessus. La filière commerciale est en train d'être déployée. Donc c'est-à-dire qu'on va rencontrer... Permettez, filière commerciale, nous sommes donc sur revendus par l'ADT. Moi, je ne suis pas parti de la DT. Non, mais la DT est un service commercial géré du département de la Liège. Zéro appel, zéro contact, zéro vente. Oui, mais... Cette année, je vais vous donner un autre exemple concret, hein, parce que là, on est dans le concret, quand même. Hein, parce que nous, si on ne dit pas, on crève, quoi. Bien sûr, bien sûr. Moins 45% cet été. Et, alors, ce qui n'est jamais arrivé dans 20 ans, jamais, zéro client pendant la quinzaine du mois d'août, où on a 100 clients, on reçoit 100 clients par semaine, zéro client sur 3 nuitées. Des restaurants très connus ont fermé la semaine du 15 août. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Et ça, ça fait 3 ans qu'on décline, mais de façon très importante en matière de fréquentation. Et ça... Honnêtement, moi j'étais dans un restaurant vendredi dernier. Vendredi, on est au mois de décembre. Non, mais vendredi dernier, j'étais dans un restaurant... Le 15 août. Non, mais écoutez-moi, j'étais dans un restaurant vendredi dernier où la patronne, à la fin, voilà, je lui dis, bah alors, comment vous voyez votre année et tout. On a fait une super année. Ah, mais génial. Mais voilà. Non, mais c'est ça veut dire qu'effectivement... Pas mieux, continuez comme ça. Là, hein. On va fermer nos structures et on irait dans ce restaurant-là. Non, mais pas du tout. Les grands restaurants de Saint-Jérôme ferment au 15 août, 3 jours. Vous rigolez, quoi. C'est pas droit. Vous parlez duquel, là? Je parle du carré de l'âge. Au mois d'août. C'est jamais arrivé. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fermé au 15 août? Parce qu'il y a des personnes. Non. Quand je vais envoyer les clients, je ferme. Ah, pourquoi est-ce que... Non, mais... Il faut vous donner les dates, hein. Ils n'ont pas fermé. Ils n'ont pas fermé. Ben justement, si vous connaissez M. Fondier, posez-lui la question, pourquoi entre le 15 et le 18, il a fermé? Pas le 15 et le 18, c'est du 11. Alors, mardi soir, oui, je l'ai appelé, il n'y a personne, je ferme. Ça va trois clients, mais je ne vois pas le restaurant pour trois clients. Ça, c'était une soirée, mais... Mais c'est pas une anecdote parce que c'est très intéressant. Mais moi, moins 45, ça m'est jamais arrivé. Alors, vous, par contre, ça c'est un autre problème. Mais par contre, pour M. Fontvieille, moi je ne parle pas en son nom, mais il a eu des gros problèmes de gestion et des problèmes qui ont failli effectivement lui coûter beaucoup plus cher que 3 soirées fermées, sincèrement. En nombre de couverts, M. Fontvieille,
pour l'avoir encore croisé il n'y a pas très longtemps, la saison n'a pas été mauvaise dans son ensemble. Il a effectivement. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Mais moi, le mien, je le connais. Oui, alors, après, je le connais. Mais enfin, la globalité, tout dépend du type d'activité et tout dépend de comment vous bossez. C'est la même que d'habitude. On a dans le bureau d'office de tourisme, la première chose qu'on fait à tout début des bureaux, c'est déjà demander aux professionnels qui sont ici quelle a été votre activité. Je vous promets qu'il n'y a aucun professionnel qui est présent dans le bureau qui a dit moi j'ai fait moins 45, moins 50 à l'année. Vous me présentez, vous me dites comment ils font. Alors, moi, je ne sais pas faire, moi, ça fait 20 ans que je le fais, mais non, je dois avoir du mal, alors, je ne peux pas savoir. C'est pas ça, vous faites votre métier, vous êtes, c'est vous qui avez le hara là-bas. Ouais. À nous de voir quelle est la valeur ajoutée aussi que l'office de tourisme peut avoir pour votre activité. Ouais. Nous, on est en train justement de travailler sur cette filière commerciale pour arrêter. Nous, le but, c'est de sortir de la distribution de papier pour être apporteur d'affaires pour votre activité. Moi, j'ai travaillé dans des offices de tourisme, on a amené jusqu'à plus d'un million d'euros aux professionnels. Amenez-moi un million d'euros, je veux faire des chèques. On n'avait pas le même taux. Alors, la deuxième chose, c'est que l'Ariège, c'est une chose, l'ADT a sa propre stratégie, c'est son affaire. Nous, on a une stratégie qui est radicalement différente. Je prends un exemple. Le commissionnement. Lorsqu'on va vous apporter des affaires, on a un modèle économique qui doit être mis en place, où nous-mêmes, on doit évaluer notre travail. On a demandé, on a proposé à ce que les taux, ils seront débattus en conseil d'administration au mois de février, là où le département prend entre 18 et 23% de commissionnement, ce qui est absolument aberrant. Bah, 18 de zéro, ça reste pareil. Hein. Oui, mais 18, nous on est parti sur 6% pour la restauration et 10% pour tout le reste des activités, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas du tout, on ne se met pas, je pense aux hébergeurs par exemple, 18 à 23%, c'est ce que les hébergeurs ne souhaitent plus verser à des gros OTA type Booking, Airbnb, etc. Donc nous, les institutionnels, si je dois prendre cet exemple-là, a refait exactement la même chose que des OTA qui sont omniprésents sur le web font. Nous, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils font du chiffre, par contre. Oui, mais bien sûr, ils font du chiffre, mais sauf qu'ils font du chiffre. Et inversement, quand les banques maintenant vont dire comment est-ce que vous valorisez votre c'est quoi votre taux de remplissage dû aux OTA, 70%, bon bah ça veut dire que 70% de votre établissement ne vous appartient plus. Ça c'est concret. C'était dans une réunion où on a un hôtel. C'est pas l'arrière, c'est pas dans, je pense que les hébergeurs. Ah, si, c'est l'arrière. Non, mais nos hébergeurs ici, on parle ici et là. Là je pense qu'il y en a aucun qui a 70% de ce que vous dites. Non, mais. Monsieur, vous prenez des exemples généraux, je me permets de répondre par des exemples généraux. Après, j'aimerais savoir aussi, parce que tous les personnes qui sont ici, par exemple, avez-vous tous déclaré votre hébergement dans les mairies? Tous? Ça fait que 20 ans. Tous déclarés? Dans les mairies, est-ce que vous êtes allé? C'est obligatoire, oui. Non. Alors, c'est obligatoire, mais est-ce que c'est fait? Ouais. Ça, c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont promotionnés par l'office le sont pour, parce que sinon, on ne peut pas y être. Oui, mais ce n'était pas quelque chose qui était quelque chose d'obligatoire. Les gens qui avaient là, ce n'est pas ce fait. Je suis maire de la commune et c'est souvent le maire qui sollicite les gens pour y s'inscrire. Mais on en voit pratiquement, et puis aussi maire de la commune, tu peux le dire, et M. Proulx, vous avez été maire aussi, vous pouvez le dire, les gens viennent rarement de même s'inscrire. Sauf que pour avoir la promotion de l'office de tourisme, vous devrez pas entre les manches quand même. C'est pas que pour avoir la promotion de l'office de tourisme de la DT ou de tout ça, il faut être inscrit. Est-ce que je peux poser une question? Parce que là, effectivement, on parle de votre cas. Est-ce qu'il y a un hébergeur ici qui a eu des propositions venant des offices de tourisme cette année? Des propositions de quoi? Ben de clients. Moi j'ai des quelques-uns. Ah oui. Sol, zéro. J'ai jamais eu le moindre en France. Mais c'est du concret, mais ça veut dire que justement, comment est-ce qu'on arrive à changer? Comment est-ce qu'on arrive à être vraiment apporteur d'affaires pour vous? Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de bâtir, et on a besoin de nouveaux outils, on a besoin de travailler une stratégie qui est différente que celle qui était en place à aujourd'hui. Puisque comme vous dites, de 0, 20% de 0, ça fait toujours 0, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour changer? Non, mais j'aimerais bien vous écouter quand même. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on fait les réunions, ça fait 20 ans qu'on nous vend, que vous nous vendez, et ça fait 20 ans
qu'on a. Donc aujourd'hui, les gens sont un peu blasés. Vous pouvez avoir la volonté que vous voulez, l'envie que vous voulez, c'est sauf que maintenant, ce qu'il faut, c'est des résultats. Nous, on a, quand on a un résultat, on viendra vers vous. Parce qu'aujourd'hui, on va vers vous depuis des années, pour rien. Donc on a autre chose à faire. Ça fait 9 mois que je suis là, je vous, ouais, mais je vous dis, c'est là, c'est là, c'est nous n'est pas neuf, mais il y a des gens qui existent. Ah, mais il y a des si gens vous êtes qui... là, c'est parce qu'il y a des gens qui existent. Oui, mais justement, donc le but, et on a cette ambition-là, parce que l'ambition, comme Charles l'a dit, la compétence et la promotion touristique, nous, l'ambition qu'on a à l'Office de Tourisme, c'est de vraiment être efficace sur la promotion touristique. La promotion du tourisme, c'est pas quand les gens sont ici, comment on fait pour les dispatcher, c'est comment on les fait venir de l'extérieur pour les faire venir sur le territoire. Et est-ce que, à aujourd'hui, le schéma qui était en place, que je ne juge pas, c'est le même schéma dans beaucoup d'endroits, mais est-ce que le schéma était vraiment pertinent pour ça? A priori, la loi dit que non, puisque la loi a changé. Donc maintenant, comment est-ce que nous, on prend cette loi et comment est-ce qu'on essaie justement de changer les choses? Et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est vraiment le souhait et le sentiment, alors je parle au nom du bureau, c'est nous aussi, dans les offices de tourisme, quand, parce que vous n'êtes pas un cas isolé, monsieur, évidemment, combien de personnes disent, bah oui, vous nous avez rien apporté. Même le vice-président, qui a une chambre d'hôte sur le Céronais, et un membre du bureau, on dit, mais de toute façon, l'Office de tourisme ne nous a jamais rien apporté. Mais s'ils se sont investis auprès de l'Office de tourisme, c'est avec l'espoir que ça change. Voilà. Et donc, on espère apporter des outils pour que ça change. Et ces personnes-là, par contre, se sont investies auprès de l'Office de tourisme pour dire, bah, nous, on va prendre les choses en main et on va essayer de faire en sorte que ça change aussi. Donc, c'est, voilà. Et c'est vraiment dans ce nouveau schéma que l'on se situe. Voilà. Et on espère que ça va marcher. On espère. Et on y met. On verra. Je pense franchement, alors on est là et tout le monde qui vient ici part en disant waouh, c'est un endroit magnifique, mais ça ne s'y connaît pas. Alors, pour l'instant, il n'y a pas le moyen de faire venir les gens ici. C'est chaque berger qui, de son côté, fait venir les gens ici. Et d'un coup, on se retrouve, c'est vrai qu'il y a un officier de tourisme, tout ça, il y a des événements qui se passent, il y a des gens qui peuvent chercher un logement ici. Mais les gens de Toulouse ne cherchent pas à Santa Cravovestre ou la Serra sur Internet, ils vont chercher la montagne de la Liège. Alors ici, c'est un coin qu'on est en quelque part gelé de la Liège et on se trouve, moi mon sentiment c'est là d'un coup, on paye aussi la taxe de séjour, qui en quelque part c'est la taxe pour des endroits touristiques, et ici c'est pas un endroit touristique. Alors, on paye, c'est nous qu'on s'occupe de faire venir le monde. Et là, on nous demande de payer cette taxe. C'est eux qui la payent, c'est juste la collection. Oui, mais ça se rajoute au prix. Ça se rajoute au prix des gens qui ont fait. Ça se paye partout. Ça se paye partout. Tout le monde est habitué, c'est pas un problème. D'accord. Soi-même, quand on part, on paye le prix. Ça se paye partout. Quand on part une nuit l'hôtel, on paye la taxe de séjour. D'accord, mais c'est vrai que si on se trouve que c'est pas l'ensemble, même s'il y a les capacités, il n'y a pas de raison qui fait que les gens viennent ici dans cet endroit, c'est chacun de son compte. Et c'est là où je trouve que c'est. Moi, je sens qu'on fait beaucoup sur l'usée, sur la montagne, sur la montagne, et quand même, depuis ici, il y a une aire de route pour aller n'importe où de la Liège, où il y a un peu de charme, soi-disant, pour ceux qu'on va. Et ici, on se trouve que même on peut aller au lac, mais c'est comme si les choses sont ici un peu comme deuxième et troisième classe. Et c'est là où j'ai trouvé que y aurait à faire et pas à la moine de Montvalier, tout ça c'est très joli, on peut y aller une fois, mais les gens qui viennent ici ne viennent pas pour aller à l'usée au Montvalier en hiver, ils ne viennent pas tant de temps. Je peux vous rajouter un peu parce qu'effectivement il y a un point qui est très important, c'est qu'effectivement nous ici on a l'impression que tout va vers l'usée, etc. Bon, il y a les lieux qui attirent beaucoup d'intérêt comme tout ça, par exemple Saint-Lizier. Sainte-Croix et Tortouze sont liés à Saint-Lizier. Oui. Et c'est cette interrelation entre Saint-Lizier et Tortouze en particulier. Il y a le chemin des évêques qui va de Saint-Lizier à Tortouze. C'est les actions qu'on pourrait faire. Mais nous, on a demandé, par exemple, parce que randonnée, ça marche beaucoup, on peut demander à Christian. Ça marche beaucoup. Il y a au moins 5 ans qu'on demande une carte des chemins de randonnée sur Tortouze. Alors qu'est-ce que c'est trop. Les personnes n'ont même pas venu voir. C'est ces choses-là.
Parce que quelque part, si on n'a pas une influence avec une interaction avec l'office de tourisme, pour nous ça ne sert à rien. Parce que c'est ça, il faut que ces choses qui sont disponibles sur la région, comme Saint-Dizier, Tourtouze, les promenades, tout ça c'est important. Mais on a l'impression que le Volvestre est ignoré. C'est loin, c'est plus proche que de l'Haute-Garonne. Et donc on s'en fout. Alors, c'est vraiment l'impression. Moi je voudrais revenir sur le problème des hébergeurs. Effectivement, sur le Volvestre, il y a quand même énormément de monde qui passe. Notamment ce qui est VTT et ce qui est randonnée pédestre. Sauf que c'est un public qui ne réside pas. Les VTTistes, par exemple, ils arrivent le matin, il y a énormément de voitures qui sont stationnées, prennent leur vélo, ils font leur tour. Ils ne passent même pas prendre un café chez Saint-Denis. Donc ça reste très peu. Les randonneurs, beaucoup. Les randonneurs, beaucoup. Voilà. Les randonneurs, c'est différent, sauf les randonneurs en groupe qui sont accompagnés, effectivement. Ça, et Anne-Marie Dadi, d'ailleurs, actuellement, elle a fait énormément de monde grâce aux randonneurs pédestres. Mais ce sont des personnes qui ne résident pas, qui ne dorment pas sur. Parce que quand il n'y a pas de problème. Quand les clients qui arrivent chez les gîtes, la première chose qu'ils nous demandent, il y a des sentiers pour se balader. Tout à fait, oui. Oui, oui, monsieur, alors moi je prends mon bateau, je les accompagne. Je ne veux pas faire ça tout de même. Oui, oui. Mais aussi, il faut que les gens sachent qu'il y a des hébergements, en plus qu'ils comprennent qu'il y a autre chose à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans toute la région, de toute façon, tout le Couson, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que les gens viennent et disent, il n'y a pas grand chose à faire ici. Et j'entends ça des gens du coin, hein. Oh, mais il n'y a rien à faire ici. Si, il y a énormément de choses à faire. Il y a, déjà si on va vers Foix, il y a la rivière souterraine, il y a la ferme aux reptiles, il y a. Ah oui, non, la Carcassonne, il y a Abby. Non, mais je parle de proche d'ici. Oui, mais. Le Mas d'Asile, il y a la ferme aux escargots. Il y a des choses qui rayonnent. Mais le problème, oui, c'est que les gens. Déjà, ils rayonnent, mais il faut leur faire les circuits. C'est nous qui devons faire les circuits. Mais voilà. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi. Pour que les gens fassent, je vais dire, maximum 100 km dans la journée en se baladant et en faisant. Si toi, tu ne les prends pas en charge en leur disant aujourd'hui, vous pouvez faire ce circuit. Vous pouvez passer par là, aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et revenir sans revenir sur vos pas et tout ça, c'est largement faisable. Il y a plein de choses différentes, mais au jour d'aujourd'hui, si vous ne vous prenez pas en main pour le faire, je vous défie de vous ne le trouverez sur aucun guide, et si vous ne le faites pas pour les gens, donc voilà, si on ne trace pas des trucs pour les gens, des circuits plus ou moins, ils ne le trouveront pas tout seuls. Moi j'ai des gens qui viennent chez moi, donc je suis dans un petit bled, moi je compte absolument pas, c'est pas ça le problème. Mais les gens qui viennent chez moi, ils viennent parce que c'est du bouche à oreille, c'est quelques-uns qui m'en renvoient, c'est des gens qui me trouvent sur un site que, bon voilà. Mais après, toute la prise en charge de l'animation de leur séjour sur 4 ou 5 nuits, quand j'ai des gens qui sont comme ça, c'est tout fait. Soit parce que je connais les gens, soit parce que je les envoie sur des spectacles à certains endroits, aux masses, à certaines périodes, des choses comme ça. Mais sinon, les gens sont complètement perdus. Hein. Parce que moi, ça m'est arrivé qu'il y avait des gens qui sont derrière l'office du tourisme à Saint-Giron. Parce que c'était comme ça. Parce que pour eux, c'était plus pratique d'aller à Saint-Giron que de revenir à Sainte-Foy. Enfin, bon, ça c'est des. Mais voilà. Et tous les circuits. Et les gens sont enchantés. À la fin du séjour, les gens ils vous disent merci de nous avoir, parce que on a découvert une partie de l'Ariège qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'ici, on est au trou du cul du monde de l'Ariège. Mais moi, j'y suis né, donc ça ne me gêne pas. Moi, j'y suis né ici. Moi aussi, j'y suis né. Mais donc voilà, mais après, vous me prenez un peu comme si on était des bandits aussi. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime pas trop. Parce que moi, de l'hôtellerie et de la restauration, pendant 35 ans, j'ai été chef de cuisine dans des établissements. Alors, tout à l'heure, là, il y a eu deux ou trois piques, là, comme si on était un peu des bandits, moi, ça ne me plaît pas trop. Quoi. Oui, monsieur. C'est un seul moment, j'ai critiqué qu'on a vendu ici, dit
dans la manière de la perception, ça, comme si on était des. Alors, la seule chose que je fais pour que ce soit bien clair, c'est rappeler que le Code général des collectivités. Oui, oui, non, d'accord. C'est pour une taxation d'office lorsque des personnes qui doivent collecter la taxe quand elle est appliquée ne la remettent pas. Enfin, c'est la seule chose que j'ai. Non, mais je ne peux pas citer la loi. Le fait est que si c'est entre guillemets, ça ne pose pas de problème. Qu'il n'y a sans doute absolument aucun bandit dans cette salle ni dans l'Ariège, et qu'on s'entendra très bien sur. Non, 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 d'accord, non, non, mais je suis d'accord avec la taxe. Voilà, il y a des choses, il faut qu'elles soient dites d'entrée, et c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple aussi. Quoi. Parce que les informations, on est censé les avoir, les informations. Et il faut savoir que dans l'Ariège, l'informatique, moi je vis à 3 km d'ici, moi j'ai pas d'informatique. Hein. C'est pas que j'ai pas envie d'en avoir, mais pour l'instant, à part les signaux fumés, le tam-tam et le téléphone, hein, voilà. Mais sans informatique, pour avoir accès aux informations qu'on est censé connaître, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord là-dessus. Mais pour aller sur les. Voilà. Elles sont affichées à ce moment-là quand on n'a pas, par exemple, Internet. Oui, oui, vas-y, allez-y. Elles sont affichées sur les bureaux de la communauté. Les bureaux des offices de tourisme, elles sont accessibles. Donc, il faut qu'on aille. Alors, si vous permettez, c'est aussi pour ça que c'est en train d'évoluer. Oui. Parce que du coup, ça va être prélevé à la source, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer, notamment vis-à-vis de la taille de séjour, puisque les grands intermédiaires sur Internet vont faire le job. Directement auprès de oui, moi venez me trouver sur l'internet. Non, je vous parle en général. Oui, après, effectivement, oui. Dans le cas particulier. Le problème du général et de l'individuel dans des régions comme les nôtres, oui. Eh bien voilà. Il n'y a pas de souci. Et effectivement, ça, non, mais le truc général. On a probablement à faire, monsieur, vous avez raison, des feuilles trépies avec des déclarations manuelles qu'on puisse pouvoir. Elles existent, les bords de votre déclaration. Mais du coup, qu'on les envoie. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut la prendre sur l'internet. Pas forcément, en l'occurrence. Puisque les mairies sont destinataires, puisque la communauté. Tu l'as vu, hein, puisque la trésorerie est. Écoute, on va la mettre pas de tour tout seul. Tu l'as vu comme ça. Encore une fois, là, on parle d'un schéma qui est nouveau cette année. C'est-à-dire que ce soit pour les techniciens, les hébergeurs, les mairies, etc., c'est nouveau pour tout le monde. Encore une fois, on a fait ça cette année dans un contexte de transition qui fait que tout le monde n'a pas forcément l'information et pas au bon endroit de la chaîne ou au bon moment pour avoir l'information en temps et en heure. Si justement on met en place notamment des réunions d'information, on s'engage à améliorer nos moyens de pédagogie et de collecte. C'est justement parce qu'on sait qu'il y a une marge et des progrès à faire. On s'en doute bien. C'est pas cette année, en émettant la première information officielle en juin, qu'on se doute que tout le monde va aller derrière. Et j'en suis le premier conscient. J'ai les courriers. Voilà, j'en suis conscient. Et encore une fois, c'est parce que je sais qu'il n'y a aucun bandit autour que je vais pas aller chercher chacun marqué à la culotte, comme on dit, en disant c'est pas bien, vous n'avez pas déclaré, vous n'avez pas supputé que peut-être la taxe de séjour était appliquée sur votre territoire cette année. Je le dis, mais j'en suis parfaitement conscient, moi le premier. C'est pour ça que je suis d'autant plus tranquille de dire cette année, en plus, même s'il y en a des bandits qui passeront à travers les mailles, parce qu'on n'ira pas les chercher cette année. Voilà. Voilà, comme ça au moins les choses sont dites. Maintenant, cette année, ça veut dire on ne va pas payer cette année. Ah, ça, c'est applicable dès cette année. C'est applicable cette année. Voilà. Les réservations qui ont été faites antérieures à l'application de la taxe. Et ce sera plus simple l'année suivante, parce que pour ce cas-là, pour y répondre directement, normalement, les décisions fiscales sont prises en octobre de chaque année N-1 pour l'année suivante. Mais comme il y avait des évolutions de périmètres intercommunaux l'année dernière, la loi donnait jusqu'au 1er février à la communauté de communes pour délibérer pour appliquer la taxe. Vu qu'elle a délibéré pour le 1er février, tout ce qui était passé comme contrat de location avant était soumis à la taxe perçue en 2016 ou à l'absence de taxe si elle n'était pas appliquée jusqu'avant. Donc en l'occurrence, cette année, pour tout le monde, les nouveaux tarifs uniformes sur toute courante ne sont applicables que depuis le 1er février. Mais encore une fois, je le répète, dès que la délibération a été prise, j'ai fait passer l'information en premier lieu aux offices de tourisme.
pas moi-même garantir la bonne information de tous, compte tenu de ces délais, de ces contraintes, à la fois techniques, de temps, etc. Encore une fois, tout le monde cherche à s'améliorer là, dans ce registre-là. On n'est pas aujourd'hui à battre le rappel pour dire il faut absolument que tout soit rentré comme si vous aviez été au courant dès la première minute, cette année. À l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit. En l'occurrence, moi, je ne vais pas sortir des recettes magiques pour rattraper tout ce qui n'a pas pu être fait dans les bonnes formes cette année. Alors, en parlant d'amélioration, là, oui, l'informatique à la maison, par internet, par satellite, bien sûr, ça m'aide quand même. Est-ce qu'on pourrait pas payer, je paye tous mes impôts, moi, par bien sûr, ça fait partie des projets. C'est prévu, ça, oui. Ce qui est prévu, c'est notamment une plateforme numérique de déclaration et de collecte qui va alléger à tout point de vue, on l'a pas aujourd'hui. L'idée, c'est aussi d'alléger nos services, parce qu'encore une fois, que ce soit pour les OT, pour la communauté de communes, nous avons comme service technique, comme agent fonctionnaire ou contractuel pour gérer tous ces aspects-là. Mais la taxe de séjour, c'est un détail parmi tant d'autres sur le nouveau périmètre. Nous n'avons comme agent précisément préposé à ça, aux finances, qu'une seule personne, donc ce n'est pas le travail unique. Il faudrait concrètement, aujourd'hui, sans informatique, pour faciliter tout ça, il nous faudrait au moins deux équivalents temps plein pour être au niveau, pouvoir informer, etc. On n'en est pas, on n'a pas ces moyens-là aujourd'hui. C'est bien le projet d'amélioration des moyens qu'on a aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste... Par contre, les autres moyens existeront toujours. Ah oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, sur une phase de transition qu'on verra ensemble aussi, etc. Mais oui, évidemment. Non, moi, je n'aime pas passer pour les impôts par Internet, etc. Je préfère la personne physique. Oui, alors, il y aura la possibilité. Il y aura plus salariés parce que tout passera par la Internet. Non, parce qu'il y, a quand même, il y aura quand même du boulot. Mais honnêtement, les offices seront là pour vous aussi, pour vous accompagner, etc. etc. Enfin, en aucun cas, on révolutionnera tout et voilà, et on restera collé au territoire et à la réalité aussi des accès à Internet, etc. Évidemment. Moi, j'aimerais juste faire, si vous me permettez, excusez-moi, j'aimerais faire quelques réponses sur les questions et les arguments que j'ai entendus là pour les avoir rapidement notés sur la confidentialité du Volvestre, un peu, notamment dans la notoriété, la promotion générale ou locale du territoire, sur la concentration des moyens de promotion, notamment sur l'usée comme exemple ou d'autres, sur l'identité du Volvestre au sein de tout ça, et notamment sur le fait que vous n'ayez pas forcément pour vos touristes aujourd'hui tout à fait les outils de proposition, d'activité, de circuit, etc., etc. J'aimerais faire une réponse, je vais essayer de la faire très courte, mais un peu grossante tous ces tableaux. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier, c'est encore le cas cette année, c'est pas parce que tout a fusionné cette année qu'on est déjà au rythme de croisière suivant. On a toujours les effets d'une organisation, notamment touristique du territoire, qui était celle d'avant et avec les moyens d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pouvait pas effectivement facilement exister ou faire exister, on prend l'exemple du Volvestre, on y est, le Volvestre avec les mêmes moyens, avec les mêmes ressorts que depuis 40-50 ans qu'une station de ski existe ici ou ailleurs, avec les mêmes moyens dédiés notamment à l'office de tourisme ou à la promotion. C'est sûr qu'il y avait une disparité de fait. Et elle existait, et c'est pour ça qu'effectivement le Volvestre dans tout ça jusqu'à présent a plutôt été noyé, c'est un peu le sentiment que vous en avez, je le constate, dans on va dire le positionnement marketing, la notoriété plus générale des territoires ou des territoires de proximité. C'est évident que l'usée a bénéficié tout le temps de plus de moyens, puisque le périmètre d'organisation touristique et de subvention des moyens promotionnels était circonscrit autour de l'usée. Et ce n'étaient pas les mêmes qui rejaillissaient sur le Volvestre, effectivement, même si tout est un peu. Il y a quand même des vases communicants aussi, même s'ils sont assez. Assez petits. Donc on hérite encore un petit peu de tout cela. Le fait que, en face de ça, donc l'entité Couserans Pyrénées n'existait pas, ou elle essayait vainement un peu d'exister collectivement, mais on n'avait pas les outils, les infrastructures pour travailler notamment la promotion à cette échelle-là. On n'en est qu'au début de ça, mais on en est au début. C'est bien qu'aujourd'hui, Couserans Pyrénées va enfin avoir la légitimité et les moyens d'exister en tant que tel, c'est-à-dire de pouvoir revendiquer de Sainte-Croix à Ustoux que nous avons à la fois un terrain de jeu formidable pour la randonnée en forêt, de piémont, de VTT de piémont comme on peut le trouver dans le Volvestre, à proximité directe d'une station de ski alpin. Et c'est bien ça ce qui était plus difficile dans les offices de tourisme d'avant, c'est-à-dire à la Bastide de parler très ouvertement de l'offre du Vanier, puisque ce n'était pas tout à fait notre territoire, le territoire des agents qui en faisaient la promotion et les budgets
dédié dans le Céronais à faire la promotion du Valier, par exemple, je pense.